nous allons nous promener sur une vingtaine de kilomètres à destination sud de Balachori. La température là-bas est très très chaude, la mer est pas loin, le vent ce qu'il faut. Peut-être qu'on trouvera des ennemis, peut-être qu'on trouvera des civils à déchiqueter. Si vous avez envie de vomir, messieurs, sachez que des sacs plastiques sont placés sous vos sièges, alors ne dégueulassez pas l'appareil. On y va en colonne. Après, il y a deux. Un, go, on rentre, on est sur la ligne. Migration, c'est fait. Je rentre. RAS, c'est bon. On n'est pas seul, dans cette forêt. Bah, je couvre les 6 avec des colcos déjà. C'est déjà... c'est déjà pas mal. Oh putain, je te jure, c'est la première fois que je fais ça. Golgo, tu as sur position, tu couvres avec ta gun. Il y a un mec sur le Mirador. Pour l'instant. Mais quelle idée de passer en plein champ de mine. Je vais te dire ça, ta gun. C'est du 300 mètres. Ok, faites gaffe, on va avancer. Ne tirez pas dessus, Shadow, Pita. On continue la progression. Médic, j'ai besoin de soins. T'es où? Sur les 6, je crois. Tu vas, Broco? Tu veux que je te chercher? Non, attends, il y a un soldat qui est parti, je crois que c'est Arthur. Oh, je suis pas là. Personne sur toi. Quel soldat est parti le chercher là? J'ai vu un soldat. Je crois qu'on a plus de couvert là, la con. Ouais. C'est sous vos gardes, les gars, c'est là. En même temps, il est en plein dans un champ de mine avant. Quoi ça? Bah oui. Ah, c'est un peu chaud ça quand même. Oh, t'es un soldat d'élite. Ah, j'ai pas peur. Quoi, c'est un champ de mine ici? Ah oui. Ah, je sais pas, c'est quoi ça? Non, c'est du 40 mm, les gars. Ça, c'est du 40 mm.